Bonjour Tom, tu regardes le match? Tom, regarde qui est là! Oh, je vois! Tom, tu peux l'aider à trouver ce petit? Un radar? C'est génial! On peut l'essayer dehors? Ça a l'air excellent! Ce ne serait pas le petit. Jerry, tu veux nous aider? Attention! Tom, comment peut-on l'aider? Oh, le petit est coincé sur la roue. Que va-t-on faire? Ne t'inquiète pas, Lily. Tom va trouver une solution. Oh non. Tom, je suis sûr que tu vas trouver une idée pour le sauver. À quoi penses-tu, Tom? Waouh! Quelle bonne idée! Attention, Lily, ne marche pas sur l'hélice! Oh non! Ça, ce n'est pas bon du tout! Allez, mon petit, n'aie pas peur! Tu ne risques rien. Tu vas bien? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu as quelque chose à dire, mon petit? Excuse acceptée. Tu as besoin qu'on te dépose à l'école? C'est parti!
Waouh! C'est très impressionnant, Ben. Mais cela n'enchante pas vraiment les enfants. Peut-être que Tom pourrait t'aider. Ben aimerait divertir les enfants. Tu peux l'aider? Ben est un clown. Super. Vous en voulez plus, les enfants? Et si tu leur apprenais les formes? Jouons à un jeu. Vous allez peindre quelque chose qui a la forme que Ben vous montrera. Des ronds! Ben le clown va les rendre réels. Jouons! Un carré! Un cube en Lego. Bravo! Qu'est-ce qui a la forme d'un cœur, les enfants? Un ballon cœur. Bravo! Oh, il s'envole! Encore un? Un triangle. Berry, tu veux essayer? Cette pizza a-t-elle la forme d'un triangle? Voyons ce que nous pouvons faire. Des parts de pizza en triangle. Miam! Allez, un dernier petit tour, Ben. Juste un dernier. Les enfants voulaient montrer un cercle à Ben. Merci, Tom. Tu es un super inventeur. Salut, les amis. Joyeux Thanksgiving. Tu veux un costume de Thanksgiving? Oh.
Joli chapeau. Danse pour voir. Ben est un cow-boy. Super costume de taureau. Voilà Ben, le taureau. Ne te prends pas la tête, Ben. Hey, laisse de la tarte aux autres. Ben, il faut partager. Attention, Marlène. Ben, arrête ça. Oh. Courez vous cacher, les amis. Beau travail avec le pistolet redimensionneur. Pourquoi ne pas construire une forteresse avec les bottes de foin? Marley, attire Ben vers la forteresse. Beau travail, les amis. Ben, tu te fais du mal, et à tes amis aussi. Pauvre Ben. Les amis, Ben est désolé pour sa mauvaise conduite. Les amis sont plus importants que la nourriture. Joyeux Thanksgiving à tous! Bonjour Tom! Tu fais du ménage de printemps? Ouais! C'est une drôle de façon de nettoyer! Wow! Bonjour Gary! Oh! Tu as l'air agacé! Tu as vu quelque chose d'horrible en allant au travail? Le vent a déversé des ordures tout le long du canal? Ah! Et dans les rues aussi? Tu penses que tu peux aider notre ami Tom? Mabasa! Super! Utilisons ta machine à invention!
Regardez ça. Un super aspirateur. Génial. Allons tout de suite l'essayer dehors. Essayons le super aspirateur. Excellent. Regarde cette pile de déchets. Ils disparaissent à tout jamais. Wapta. Waouh. Tu te surpasses encore une fois, Tom. Qu'en penses-tu, gars? Gary, je crois que Tom essaie de dire quelque chose. Gary, tu devrais ralentir le rythme. Tu ne crois... Je dois admettre que c'est très efficace. Gary, ce ne sont pas des ordures. Tout va bien, Tom? Bam, bam. Oh, Gary, tu devrais vraiment écouter Tom. S'il te plaît, arrête d'utiliser le super aspirateur. Les amis! Gary, tu dois arrêter d'utiliser le super aspirateur! Attention, les amis! Oh non! Quel désastre! Que devons-nous faire? Tom, tu pourrais trouver une solution pour arrêter le super aspirateur? Hé hé, Total Stow. Ouf, d'accord. Voyons ce que tu vas faire cette fois. Un pistolet à balles en mousse? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette nouvelle invention, Tom? Moi non plus, je ne comprends pas, Gary. What the? Oh, je comprends maintenant. Tu veux boucher l'aspirateur grâce à une balle en mousse? C'est une idée très astucieuse, Tom. Mais tu dois te dépêcher. Concentrons-nous maintenant. Cet aspirateur s'agite dans tous les sens. Oh non, presque. Essaye encore une fois, mais fais attention. En plein dans le mille! Quel soulagement, n'est-ce pas, Gary? Oh non, Gary n'a pas l'air très contente. Quel bazar dans son magasin de bonbons! Ma badada. C'est ta punition pour ta gourmandise, Gary. Au moins, tu auras retenu la leçon, n'est-ce pas? Souriez, les amis! Tout est bien qui finit bien. Bonjour, Tom! La pêche est-elle bonne aujourd'hui? Tu entends, Tom? Quelqu'un arrive. Ah, c'est Walter. Il n'a pas l'air bien. Qu'y a-t-il, Walter? Walter voudrait soulever ses gros cartons pour Carrie. Tu peux l'aider, Tom? Qu'est-ce que c'est? Un pistolet pour agrandir Walter? Quelle bonne idée, Tom! Tu es content, Walter? Essayons-le. On arrive, Carrie! Yeah!
Waouh, tu as l'air très fort, Walter. Waouh, bravo. Tu peux porter ces cartons facilement maintenant. Yay. Oh non, que se passe-t-il? Attention aux bonbons! Vite, Tom! Walter roule vers le tunnel. Et il est trop grand pour y rentrer. Tu te rappelles comment on pêche? C'est le moment d'utiliser ton hameçon. Oh non, Walter est beaucoup trop fort. Ce n'est pas bon signe. Non. Le tunnel va s'effondrer. Allez, Tom, il faut trouver un moyen de libérer Walter. Et vite! Ne t'inquiète pas, Walter. Tom a la solution. Qu'est-ce que c'est, Tom? On dirait le même pistolet que celui utilisé tout à l'heure. Ah, c'est un pistolet pour inverser l'opération. Ça devrait marcher. Sois patient, Walter. Tom va te rendre ta taille initiale. Tu as réussi, Tom. Tu as raison. Walter doit grandir à son propre rythme. Tout va bien, Walter. Tu t'inquiètes pour les boîtes de carrés? Je crois que Tom a une idée. Tom, tu as trouvé une solution pour aider Walter et Carrie. Attention, Tom! Tu as rétréci les cartons plutôt que de faire grandir Walter. Bonne idée, Tom! Bien joué, tout le monde! Bonjour, Tom! Tu prépares le petit déjeuner? Un gâteau? Il y a un souci, ma petite. Tu jouais à cache-cache? Et tu aimerais pouvoir voler? Tu peux l'aider, Tom? Waouh! Une machine à bulles! C'est génial! Essayons-la dehors! Attention! J'espère que tu vas bien.
Attention! Oh non! Du chewing-gum! Tu es dans une drôle de situation maintenant. Notre petite amie a atterri dans le chewing-gum sur un toit. J'espère que ta bulle est imperméable au chewing-gum. Tu as peur de l'altitude? Mais tu étais en train de voler. Roule vers le rebord du toit et laisse la bulle s'envoler. Allez, ma petite. La bébé fusée va rester à côté de toi. Pas besoin d'avoir peur. C'est bien. Tu peux y arriver. Je compte jusqu'à 3 et tu sautes. 1, 2, 3. Que s'est-il passé? Tom va t'aider. Voilà l'hélice! Allez, petite bulle! S'il te plaît! Oui! Tu veux voler de nouveau? Hey! Tu veux que tes amis participent? Yay! 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 Et c'est parti! Bonjour, Tom! Mais où est-il? Attention! On dirait un requin! C'était toi! Eh oh! Tu es un sacré plaisantin! Bonjour, Marley! Tu veux aller très vite pour la course aujourd'hui? Tom va sûrement trouver une solution. Ah, what the? Waouh! Des super réacteurs! Allons faire la course, les amis! Hey! La course est sur le point de commencer. Va sur la ligne de départ, Marley. Ha ha ha!
Jerry semble être en forme. Mais Marley a des super réacteurs. Ça va être un beau spectacle sur la piste de course. À vos marques. Prêt? Partez! Jerry est en tête pour ce premier tour. Il semble bien positionné pour gagner. Mais Marley le dépasse. Et Marley gagne! Il est temps de t'arrêter, Marley. Marley, arrête-toi, tu vas blesser quelqu'un. Tom, je crois que Marley n'arrive pas à s'arrêter. Tu dois trouver une solution pour l'aider, Tom. Un rayon cryogénique? Bonne idée, Tom! Essaye encore, Tom! Bravo! Marley ralentit! Tu as raison, Marley. Les super réacteurs n'étaient pas une bonne idée. Tu apprends tes techniques de saut à Jerry? Bonne idée, Marley! Tu veux essayer, Tom? Ça a l'air marrant, n'est-ce pas? Bonjour, Carrie! Et que se passe-t-il? Oh, tu as besoin d'aide pour préparer une fête d'anniversaire pour Ben? Une machine à cupcake. Oh, je suis sûr que la fête va être super. Beau travail, Tom. C'est l'anniversaire de Ben aujourd'hui. Bon anniversaire, Ben. Bravo, Tom. Tout le monde a l'air d'aimer tes cupcakes.
Oh non, ta machine déraille complètement. Attention, Tom. Bien sûr, Tom, c'est sûrement de là que vient le problème. Bravo, Tom. Oh non. Attention, Tom! Ce gros marteau devrait nous aider. Comment vas-tu te rapprocher? Merci, Bill. Ne t'inquiète pas, Bill. Tu auras des cupcakes tout à l'heure. Joyeux anniversaire, Ben! Bravo, Tom! Tu as sauvé la fête! On dirait que Walter est trop rapide pour toi, Tom! Es-tu sur le point d'inventer quelque chose, Tom? Ce rayon cryogénique va ralentir le temps. Tu as complètement arrêté le temps, Tom. Oh non. Tu es tout seul maintenant. Tu vas te rendre au stand de glace? Hey.
On dirait que tu t'amuses bien. Mm-hmm. Oh. Tu vas au tourniquet? Tu as besoin d'aide pour le faire tourner? Veux-tu réveiller Walter? Le rayon cryogénique a l'air de manquer d'énergie. On dirait que le temps va au ralenti. Fais quelque chose, Tom. Veux-tu utiliser le chargeur pour recharger le rayon cryogénique? Il a fini de charger. Et maintenant, le temps s'est accéléré. Arrête-le, Tom. Tu vas ajuster le niveau du temps sur moyen. Sois prêt à appuyer sur le bouton, Tom. Beau travail. Réveillons tout le monde maintenant. C'est important d'avoir ses amis autour de soi, n'est-ce pas? Il ne faut pas jouer avec le temps. As-tu une idée pour aider Walter? Un pistolet rétrécisseur. Tu veux essayer le pistolet rétrécisseur sur autre chose? Walter, attention! Oh!
Oh. Ah. Ah, là, là. Tom, récupère la glace avant que Gary ne mange Walter. Oh non. Il faut inventer quelque chose d'autre. Vite. Tom, fais attention à Walter. Beau travail, Tom. Waouh, Carrie, tu as cuisiné beaucoup de donuts pour la journée du donut. Te reste-t-il des donuts, Carrie? Tom peut peut-être t'aider. Un appareil à donuts. Oh. Des donuts tout chauds. Gary adore les donuts. Les enfants n'arrivent pas à attraper le donut. Attention, Gary! Ce donut va t'écraser! Vite! Fais quelque chose, Tom. Mm-hmm.
un agrandisseur? Qui vas-tu agrandir? Gary a arrêté tous les donuts. Tu n'as plus faim, Gary? Il faut réparer cette machine à donuts. Et voilà. Peux-tu inverser l'agrandisseur et rendre sa taille normale à Gary? Bonne idée, Ben. Échangeons les donuts par des légumes. Comment Gary peut-il encore manger? Est-ce que vous vous amusez bien? Vous allez jeter les emballages plastiques vides dans la poubelle? Les déchets sont tous éparpillés. Ils ne sont pas recyclés. Les poubelles de différentes couleurs sont là pour vous aider à trier les déchets pour les recycler. Tom, peux-tu inventer quelque chose pour nous aider à trier ces déchets? Ah, oui! Cet aimant attire les ordures. Maintenant, au travail! La poubelle bleue, c'est pour les déchets recyclables, comme le papier, le plastique et les boîtes de conserve. Ils peuvent être réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits. Le bac marron est dédié aux déchets de cuisine et aux déchets verts, comme les épluchures de légumes, les fleurs coupées, l'herbe et les feuilles. Le bac vert est pour les déchets non recyclables, qui ne peuvent pas être recyclés. Dans quelle poubelle vas-tu jeter les bouteilles en plastique? Très bien, Tom. Jerry, où dois-tu jeter l'herbe et les sacs en plastique? Bravo, Jerry. Beau travail. Non, Tom. Cette fois, tu t'es trompé. Bravo, Jerry. Ce sont des déchets non recyclables. Ils vont dans la poubelle verte. Vous vous souvenez? Très bien, Tom et Jerry. Aujourd'hui, vous avez appris quelque chose sur le recyclage. Êtes-vous sûr d'avoir ramassé toutes les ordures sur la plage? Non, vous n'avez pas terminé. Regardez par là, devant vous. Tom, ces ordures sont-elles trop loin de l'aimant? Peux-tu inventer autre chose pour ramasser les déchets dans la mer?
Waouh ! Allons retirer les déchets dans la mer avec ces skis nautiques. Wouhou ! C'est trop cool ! Elles vont où, celles-ci ? En fait, le sac en plastique va dans la poubelle verte. Mais les bonbons vont dans la poubelle marron. Waouh ! Génial ! C'est vraiment plus amusant de surfer quand la plage et la mer sont propres, vous ne trouvez pas ? N'oubliez jamais que le recyclage des déchets est un excellent moyen de préserver l'environnement. Gardez la plage propre. Ça a l'air sympa, les amis. C'est comme si vous flottiez dans l'air. Qu'en penses-tu, Tom? Un rayon anti-gravité? Cool! Tu t'envoles, Walter! Voilà Carrie. Elle vous cherche. Le pauvre Gary doit croire qu'il rêve. Bienvenue! On s'amuse bien là-haut. Oh non! Le pistolet à rayon est tombé par terre. Les enfants ne nous voient pas, les amis. Non, ne touchez pas au pistolet à rayon, les enfants! Tom, tu dois vite récupérer ton pistolet. Super transporteur! Génial! C'est impressionnant! Wow! Frank et Mathilda étaient en train de pique-niquer. C'était moins une! Enfin, quelque chose de bon. Et touchdown!
en mode inverse. Excellente idée. Il ne faudrait pas que tu t'envoles à nouveau, Tom. Oups. Désolé, Jerry. Maintenant, il est temps de faire atterrir nos amis. Tout revient à la normale. Oh, c'est fini. C'est une super idée pour faire le ménage, Tom. Bonjour, Marley. Comment vas-tu? Tu voudrais être un taureau? Nous avons un projet pour toi, Tom. Waouh, Marley, tu es impressionnant. Hey Jerry, tu as vu Marley? Je crois que Jerry veut faire la course avec toi, Marley. À vos marques. Prêt? Partez! Oh non! Les taureaux n'aiment pas le rouge! Jerry est rouge! Tom! Où va Marley? Bravo, Chili. Attention, Marley se prend pour un vrai taureau. Nous devons faire quelque chose. Vous dites que nous pourrions utiliser la couleur rouge? C'est Tom le torero. Bravo, Tom. Attention. Il est trop rapide. Frank a une idée. Je vois. Tu veux piéger Marley dans cette flaque de boue. Tu sais quoi faire, Tom. Oui, Marley est redevenu normal. On
dirait que Marley veut vous remercier. Bien joué. C'est mignon, non? Bonjour, Amber. Waouh! Magnifique! Tom, Amber aimerait devenir un pirate pour une journée. Bonjour les garçons, vous voulez jouer à un jeu? Nous partons pour une chasse au trésor. Allons-y. Où pourrait-il se trouver ce trésor? Regardez, c'est une autre carte avec un autre trésor. Allons au phare. Où se trouve le trésor? Ici, au sommet. Ce travail est pour toi, bébé Rocky. Une autre carte au trésor. Ce sera le jackpot. Allons-y. Le voilà. Oh non. Comment allons-nous faire pour l'atteindre? Tom, je suis sûr que tu peux inventer quelque chose. Super transporteur, c'est incroyable. Va le chercher, pirate. Oh non. Vite, aidez Amber. Amber, Tom va attraper la caisse. Oh non, Tom! C'était moins une. Bravo, Amber! C'était toute une aventure, hein? Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Des pièces en chocolat! Miam! Régalez-vous!